Salut les gars et bienvenue sur ce YouTube Fight Club. Donc ici je vous présente Valet qui fait rager plus d'un sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs je vous laisserai dans la description, allez le voir. Voici mon frère qui a déjà un combat gagnant à son compte sur YouTube Fight Club bien sûr. Donc aujourd'hui on va voir qui ces deux combattants sont plus forts. Et comme d'habitude notre arbitre Moscou il est toujours là. Comment ça se déroule le combat? Ça va être 3 rounds de 4 minutes. J'ai envie de vous répéter, on n'est pas des professionnels ici. Donc n'attendez pas des combats comme à UFC. Parce que je vois dans le commentaire, ouais c'est quoi ces combats? On dirait c'est des gamins, on n'est pas des professionnels ici. C'est des amateurs et bien sûr il y a le nouvelle marque qui vient de sortir, vous pouvez l'acheter dans l'inscription. Après on en parlera un peu plus dans la détail dans notre vidéo. Sinon regardez comme il est bien ou pas? Magnifique. En tout cas je vous souhaite bon courage. Donc voilà, bon courage à toi aussi. N'oubliez pas le respect l'un envers l'autre. On n'est pas là pour se tuer, on est là pour faire un MMA, mais dans le respect. T'as compris? C'est bon? Parfait, je vous laisse. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouveau combat. Les règles comme précédemment. Tête, on évite. Doigts dans les yeux, on évite. Pas de coups dans les parties intimes. Pour tout ce qui est coup de coude, on autorise les coups de coude, mais debout. On autorise les coups de genoux debout. Si un de vous a un seul point d'appui au sol, pas le droit de l'attaquer directement avec les jambes. Ok? Vous avez bien compris? Checkez-vous. Messieurs, bon combat. Красиво постарайтесь. Красиво постарайтесь. Тон, 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 тон. Красиво, вылепить постарайся. Тон, 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 Allez, recule là-bas, recule là-bas. Allez. Allez, Sma, marche avec moto. Combattez. Bien, bien. Piquez devant, Sma. Voilà, voilà. Piquez devant, ça. Ouais. Tiens, давай, давай. Tiens, oublie, yo. Allez, 3. Recule pas trop. Sma, quand tu vois que ça recule, tu reviens là-bas. 10 minutes passées. Tourne, tourne, tourne. Relâche pas. Coup de chaise, voilà. Regarde, Sma, tape. Tape dans les poches. Voilà, c'est bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Tire. A gauche, Sma. Tire à gauche. Voilà, là-bas, à gauche. Viens là-bas, voilà, Sma. Encore. Voilà, tire maintenant. A 4 droits, les a deux chiens. Plus goal. Viens, Sma. Relevez directement et prends ton coup. Voilà. Prends ton pied, voilà Isma, beau gosse Isma. Laisse ça, allez, non, lâche pas ton pied, lève-toi Isma. Allez, c'est bien, vas-y. Voilà Isma, hache-pète. Isma, vas-y, va avec les gars, contrôle. Isma, fais comme si tu laissais relever. Reste 2 minutes, les gars. Lève-toi, va, Isma, laisse-nous relever, lève-toi. Non, 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 Isma, n'est-ce pas, papa. Monte, monte, n'emmène pas, vas-y, monte. Vas-y, encore, c'est bien, vas-y.
Viens ici caméra, j'ai envie de dire que franchement il a donné à tout ce qu'il avait et cet esprit de look que je kiffe chez les gens. Il a beau être pas fort, il a beau être plus faible, mais quand quelqu'un donne à 100% tout ce qu'il a comme un loup, c'est tout ce que je demande. Ça c'est pour moi un vrai bonhomme. On a bien vu que mon frère Ismaël était grave fatigué, il a eu plus de technique à faire un coup de genou, il a gagné le combat. Mais tout ça, ça reste dans le respect. Ça va frère, tu vas bien? Franchement, abonnez-vous, abonnez-vous en masse sur sa chaîne pour tout ce qu'il a donné, il a donné à 100% tout ce qu'il avait. Abonnez-vous en masse, je laisse sa chaîne dans la description, bravo. C'est Sardio, c'est tout le monde à faire là, c'est très bien mec, tu t'es archi bien. Franchement, je dois dire que j'étais fatigué, mais j'ai vu que tu t'as donné à 100%, tu vois, et c'est ça que je kiffe, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que tout le monde kiffe aussi. Tu vois, t'as pas que la grande gueule comme sur YouTube, tout le monde dirait. Lui, il est venu, il a donné à 100% tout ce qu'il avait, et s'est combattu comme un vrai bonhomme. Donc, venez pas dire dans les commentaires que Walek, t'as vécu la grande gueule, donc voilà, un vrai bonhomme. Abonnez-vous. Donc voilà.